Lady Gaga, comme vous l'avez rarement vu, Romain Duris en perd courage et le parcours d'un travailleur immigré. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Et aujourd'hui, en compagnie du réalisateur Philippe Faucon, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, de Thomas Borez avec nous comme chaque semaine. Alors Philippe Faucon, votre nouveau long-métrage Amine sort sur les écrans. Amine, du nom de cet immigré et de sa double vie entre deux continents, l'Afrique et l'Europe, avec en toile de fond une histoire d'amour. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord Thomas va un peu nous retracer votre parcours. Oui, d'amour, il en était question dès les tout débuts, puisque votre premier long métrage s'appelait L'amour. C'était en 1989, comme une forme de promesse et de programme pour la suite. On va le voir dans un instant avec Amine. Et c'est vrai que votre caméra n'a cessé de scruter aussi les évolutions politiques et sociales de la société française à travers le regard d'héroïne et de héros que le cinéma français a mis du temps à intégrer, jeunes gens ou des adultes issus de l'immigration, ou alors des adolescents à la recherche de leur sexualité, de leurs racines, voire d'une quête donnant sens à leur vie. Alors c'est vrai qu'on a fait une petite sélection, Samia, la trahison, la désintégration, ou encore Fatima, on y vient forcément, 2016, trois Césars et un prix Louis Deluc, une forme de couronnement, tardif, même si vous n'avez pas besoin de ça pour continuer d'avancer, Philippe Faucon. Et on en vient donc à Amine, présenté cette année au Festival de Cannes. C'est l'histoire d'une rencontre entre un ouvrier sénégalais travaillant en France et Gabriel, divorcé, campé par Emmanuel De Vos, et elle voudrait encore croire en l'amour. On regarde la bande-annonce, on en parle avec vous juste après. Allez-y, pardon. Vous connaissez le chemin ? Oui, merci. Bonjour. 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 Amine, vous faites une pause ? Alors Philippe Faucon, votre film, c'est l'histoire de deux solitudes, de deux cultures qui se rencontrent, Gabriel et Amine, merci beaucoup, le titre du film. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette mise en regard, justement, de ces deux univers différents et pas tant que ça en même temps? Oui, tout à l'heure on a dit que c'est une histoire d'amour. En fait, ce n'est pas une histoire d'amour au sens très fort du terme, mais justement c'est l'histoire de deux solitudes qui se rencontrent, qui ne sont pas les mêmes. Celle de Amine qui est partie du Sénégal en laissant sa femme et ses enfants et qui donc en France a une vie très difficile, qui est consacrée uniquement au travail, à la nécessité d'envoyer de l'argent chez lui. Et Gabriel qui est joué par Emmanuel De Vos, qui est dans une séparation chaotique. Et donc ils vont tous les deux s'apercevoir, se croiser et avoir une histoire qui est, alors qu'ils appartiennent normalement à des milieux qui sont plutôt étanches l'un à l'autre, voilà, une histoire qui n'est peut-être pas forcément promise à durer, mais qui va être pour eux un moment où ils vont un peu avoir un échange. Et c'est ça que j'ai cherché à raconter. Vous ne vous contentez pas de filmer celui qui s'en va, celui qui est en exil. Une partie du film se passe au Sénégal, le pays d'origine d'Amine. Pourquoi c'était aussi important pour vous de montrer ce qui se passe pour ceux qui restent et pas sous les clichés des gens qui attendent juste l'argent? Oui, oui. Parce que le parcours et la vie d'Amine, elle est sur ces deux pôles. Elle est là-bas. Parce que quand il est ici, il a un peu la tête là-bas. Et puis elle est ici, parce qu'ici, il est dans cette nécessité de porter justement le présent et l'avenir des gens qui sont restés là-bas. Et puis cet écartèlement de sa vie, il est aussi vécu par les gens qui sont là-bas. Donc là, pour moi, il était évident, et ça depuis le début, que le film se racontait sur les deux pays. Et justement, le cinéma permet
quelque chose de très fort au niveau de la confrontation immédiate entre les deux réalités, les deux mondes, les situations d'ici et de là-bas. Et donc c'était évident que le film se racontait de cette façon. J'aimerais que vous nous disiez deux mots sur l'interprétation. Emmanuelle De Vos, on la connaît, actrice très identifiée, mais surtout il y a Mustapha Mbenge qui interprète le rôle-titre Amine. Où l'avez-vous trouvé ? Alors, Mustapha, je l'ai trouvé par l'intermédiaire d'une directrice de casting qui s'appelle Léla Fournier. On l'a trouvé en Italie parce qu'en France, on avait entrepris des recherches très en amont du tournage. On ne trouvait pas. Et donc, Léla a fait appel à des contacts qu'elle avait en Italie, en Angleterre, en Belgique. Et quelqu'un lui a dit... Vous devriez voir ce garçon. Et les premières images que j'ai vues de Mustapha, ce sont des images où il apparaissait dans un opéra en Italie, un opéra qui était chanté et joué en italien. Et sur scène, il avait une présence très très forte, très puissante, avec quelque chose de vraiment qui donnait envie de le rencontrer et de faire des essais avec lui. Il avait une petite expérience de cinéma en Italie. Et on a demandé à le rencontrer et puis je me suis dit qu'effectivement il pouvait apporter quelque chose au personnage parce qu'il a une vraie présence, une vraie cinégénie et quelquefois sans avoir comme les très grands comédiens à mon avis sans avoir besoin d'en faire beaucoup et aussi il avait quelque chose qui était très important, c'est qu'il avait une connaissance très très intime justement de ce dont et fait le parcours d'Amine, c'est-à-dire tout ce qui est autour de ces questions d'exil, de séparation, d'écartèlement, des vies, de tout ce qui est raconté. Et ça se sent à l'écran parce qu'il est effectivement formidable dans le film. Philippe Faucon, vous restez avec nous. On va continuer à dérouler l'actualité cinéma de cette semaine avec Thomas pour évoquer une histoire presque aussi vieille que l'histoire du cinéma. Star is Born, première réalisation de l'acteur Bradley Cooper avec Lady Gaga. Voilà, alors tant qu'il y aura du spectacle et les stars qui vont avec, eh bien l'histoire d'une étoile aînée devra être racontée ou alors comment deux artistes, l'un au sommet de sa gloire, l'autre en devenir, vont voir leur destin se croiser avant que la course au succès ne fragilise leur rapport. Alors ça a déjà été effectivement adapté au cinéma, cette histoire. Ça a commencé en 1937 avec une version de William Wellman. La plus connue, c'est celle de 1954, signée George Cukor avec Judy Garland et James Mason, qui avaient tous deux pour cadre Hollywood et ses chimères. Alors quant à celle de 76 qu'on voit aussi, c'est celle avec Barbara Streisand et Kris Kristofferson. Kris Kristofferson se passe dans l'industrie musicale et Bradley Cooper, pour sa première réalisation, a signé donc un remake de cette version-là. Voilà donc aujourd'hui Bradley Cooper jouant les rockstars. Il chante d'ailleurs vraiment dans le film. Et Lady Gaga, incarnant les apprenties chanteuses bientôt sans prêtes. Sans maquillage ni perruque. Sans maquillage, hein. Absolument prête à briller sous le feu des projecteurs. Regardez. Hey. What? I just want to take another look at you. In all the good times, I find myself longing for change. Here's what we're going to do. Come sing that song that I love. No, I can't do that. Here, come on, here we go. Jack, please, it's not funny. Jack. Look at me. All you got to do is trust me. That's all you got to do. Alors Thomas, verdict, voilà, réussi. C'est un Bradley Cooper s'improvise cinéaste, mais on ne s'improvise pas cinéaste. Il faut quand même avoir un point de vue, et c'est ce qui manque sérieusement à cette adaptation. Alors, il chante très bien, c'est peut-être beaucoup pour un seul homme, parce qu'il a appris à chanter et à réaliser. Malheureusement, ça ne marche pas vraiment, c'est un peu trop mécanique comme mise en scène. C'est dommage, parce que Lady Gaga, sans maquillage, vous l'avez dit, est rayonnante et vraiment très intéressante en tant que comédienne. On a hâte de la revoir dans un rôle à sa mesure, voire sa démesure. Je crois que le film a beaucoup plu aux Américains.
On verra pour les Oscars. En tout cas, on va terminer avec Nos batailles de Guillaume Sénèze, dans lequel Romain Duris va voir sa vie vaciller du jour au lendemain. Voilà, lui, c'est un syndicaliste qui travaille dans une entreprise. Il est vraiment très impliqué dans la vie de son entreprise. Mais aussi, il voit sa femme partir du jour au lendemain, le laissant seul avec sa peine et ses deux enfants. Donc, c'est vraiment un Romain Duris en working class hero. On est un peu chez Ken Loach ou alors les frères Dardenne. C'est le deuxième long-métrage du franco-belge Guillaume Sénèze après Keeper, qui était déjà très très bien. Et c'est un film qui est fait avec beaucoup d'intelligence, qui évite le mélodrame, qui reste vraiment au plus près des personnages, comme chez Philippe Faucon. C'est l'humain qui prime au-delà même du cadre. Voilà, et Romain Duris est très bon. Il me faisait penser à son rôle dans Debat mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard, où il était au sommet de ses talents d'acteur. Donc allez-y, ne serait-ce que pour la prestation de Romain Duris. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine, et évidemment merci beaucoup à vous Philippe Faucon d'être venu nous parler de Amine, à voir en salle cette semaine, et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte sur des images de Romain Duris dans Nos batailles, le film de Guillaume Sénèze. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Les mains du magicien, c'est pour dans quelques jours. Et ça, c'est des graines de trèfle à quatre feuilles. Parce que le trèfle à quatre feuilles, après, tu peux faire des vœux. Quand même, ça peut me faire tomber. Mais carrément. Ça y est, mon Dieu. Tu m'étonnes que ce soit pas vrai. Ton père non plus, il a pas vu grandir ses enfants. T'étais là, toi? Moi, j'étais là, mais j'avais envie de me barrer.